la suit très jeune en France au début et petit à petit on voit que quand elle arrive à Casablanca, forcément les nouvelles odeurs, cette nouvelle ville la pousse d'une certaine manière déjà à sortir de ce qu'elle avait connu avant. Et peu à peu, elle quitte ses parents, elle a envie d'aller explorer la ville, elle veut gagner sa liberté d'une certaine manière. Et donc c'est là qu'elle part et qu'elle explore et que la transformation en fait se fait au contact et quand elle rencontre son amie Scheherazade. Et c'est là véritablement qu'elle commence à regarder, qu'elle prend conscience des choses. Et forcément, il y a une certaine maturité qui se développe pour Lola, qui découvre des choses qu'elle ne comprend pas très bien au début. Ce quartier réservé à la prostitution est quelque chose de... Voilà, pour une enfant, c'est un peu difficile de comprendre véritablement ce qui se passe, mais en tout cas, on voit qu'avec les événements et les choses qui avancent, elle, d'une certaine manière, elle sort de l'enfance pour en tout cas avoir un regard plus juste sur ce qui l'entoure. Elle se transforme de l'intérieur pour pouvoir aborder ce monde nouveau et surtout cette guerre aussi qui est quelque chose qui est très très intériorisé déjà par les événements qui lui arrivent et donc elle est obligée de faire face à ça en se dépassant et c'est aussi pour ça qu'il y a cette volonté en fait de liberté de sa part, c'est qu'elle sait qu'elle a sans doute échappé à des choses en France et qu'elle a envie, voilà, c'est presque une responsabilité pour elle que d'aller explorer et donc et forcément, ça conduit à des choses qui font mal. On voit qu'elle souffre de la différence qu'il y a avec son amie, mais qui sont des choses aussi qu'à cet âge-là, on ne peut pas forcément dire. Casablanca, dans la découverte de Casablanca, pour moi, c'était de restituer ce côté pittoresque. C'est-à-dire qu'avec comme la ville était sous protectorat français, j'avais envie de jouer, disons, de ça. Et de faire véritablement de ce quartier réservé Bousbir ce qu'il est, qui est un décor qui a été entièrement reconstitué et créé. Finalement, je dis toujours que ce quartier est en carton, mais c'est d'une certaine manière, c'est assez vrai parce qu'ils l'ont refait avec les inspirations mauresques. Et c'est là que je trouvais quelque chose d'assez romanesque parce que c'est. Ça reflète très bien en fait même les décors qui étaient faits à Hollywood. Et donc ce côté très très orientaliste et poussé, c'est ça qui m'a intéressée véritablement au début. Le côté sensoriel dans la découverte de Casa, c'est qu'évidemment il y a des nouvelles odeurs, il fait chaud et forcément aussi dans les manières, dans les habitudes, tout change. La manière de s'habiller et surtout c'est aussi l'occasion pour Lola, l'occasion de positive ou négative de constater qu'elle n'est pas comme les autres enfants parce qu'elle est voilà physiquement elle est très différente, elle est très grande et tout le monde la remarque justement pour ça, elle est très blonde donc on se moque d'elle en fait véritablement donc elle est mise à mal à l'école et c'est ça aussi qui la pousse à vouloir voir autre chose.